Ouais, bonjour à tous. Donc, comme j'ai oublié de couper mon micro, vous avez dû tout entendre, c'est pas grave. Donc, je disais, c'est pas très grave, parce qu'aujourd'hui, je fais juste une révision, donc c'est pas comme si je faisais un cours où je devais faire le truc assez proprement, on va dire. Vous avez. J'espère que vous m'entendez déjà, ouais, bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Normalement, si vous vous connectez sur le Discord, vous pouvez me poser des questions en live, quoi. Donc, normalement, mon setup devrait fonctionner. J'ai fait quelques essais, donc ça devrait aller. Donc, voilà, si vous voulez, soit vous pouvez taper vos questions dans le chat du stream. Et soit vous posez vos questions sur le Discord. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Ouais, bah je vais pas. Normalement, j'ai un truc qui s'affiche en haut à droite avec le Discord. Sauf que. Attends, je vais le récupérer. Est-ce que je peux récupérer ça? Oui, je pense. Ouais. Discord. Ah, désolé, hein, je. Ça fait. Plusieurs, ça doit faire au moins un ou deux mois que j'ai pas fait un cours en ligne, donc je commence un peu à être rouillé. Alors attendez, je vais faire ça. Voilà, donc ça devrait le faire. Si je fais ça et que je rajoute ça là, ça devrait le faire à peu près. Tac, on va mettre ça comme ça. Et puis ça. On va mettre ça comme ça, à droite. A priori, je devrais pas rester beaucoup sur cette page. Donc ça devrait aller. Alors maintenant. Ouais, donc bon, on va voir pour les questions. Hein. Ouais, j'ai déjà préparé quelques trucs. Donc, donc justement. Emeline, on va voir si ça, votre message s'affiche. Alors, faut que je fasse 2-3 réglages. Discord. Ça. Ça. Audio prothèse. Chat. Channel général. Voilà. Hop. Voilà. Pendant la pandémie, hein, j'ai appris plein de choses sur comment streamer, comment. Regardez ça, comment c'est beau. Hop, bon, c'est un peu petit. Un peu trop petit d'ailleurs. Je vais augmenter la taille du texte. Comme ça. Désolé, hein, je prends un peu de temps pour faire tout ça, mais après on sera tranquille. Voilà. Et donc si je fais ça. Voilà, donc c'est bon. Ok, super, on peut commencer du coup. Bonjour. Bonjour à tous. Désolé, hein, pour tout à l'heure, je sais même pas ce que j'ai dit en dehors du. En dehors du. Avant de commencer, c'est vrai que j'ai complètement oublié de fermer mon micro, donc vous avez dû entendre mes discussions avec ma femme, mais bon. C'est. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, hein, c'est de faire un petit plan, et puis de regarder un petit peu ce qui va et ce qui va pas, pour l'examen la semaine prochaine. Vous avez un examen avec moi. Je crois mercredi la semaine prochaine. Et donc, vous devez être en plein dans les révisions, j'imagine. Donc, voilà. Donc, on s'était dit qu'on se verrait avant pour discuter, pour regarder. Alors, je voudrais juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Et ce qu'il faut savoir pour la semaine prochaine. Alors, pour être honnête,
je vais pas détailler tout ce qu'on a fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Et puis j'ai pas vraiment préparé non plus. Hein. Je... Ouais. Donc je vais dire ce qui me sort à l'esprit. Et donc ce qui me sort à l'esprit, ça veut probablement dire que c'est les choses les plus importantes à savoir. Pas tout, hein, mais les choses à connaître. Et donc c'est probablement les choses sur lesquelles vous serez testé la semaine prochaine. Donc voilà. Si par exemple j'oublie quelque chose alors que on l'a fait en cours, il est très probable que ça passera pas la semaine. Ça, vous aurez pas ça la semaine prochaine, parce que j'ai quand même une bonne idée de ce que vous allez avoir la semaine prochaine à l'examen, donc dans ma tête quand même. Donc voilà. Donc on avait commencé par des systèmes mécaniques. Tout ce qui était déjà ouais, les mouvements périodiques. Donc les mouvements périodiques, il faut savoir ce que c'est qu'une fréquence et une pulsation, une période. Donc savoir calculer tout ça, c'est important. On a vu différents modèles de systèmes périodiques. Il y en a un sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est l'oscillateur harmonique type masse-ressort. Une masse et un ressort. Donc ça, il faut connaître si on a la position de ce ressort en fonction de t. Il faut connaître l'équation de ça. Il faut savoir, donc là je vais noter par exemple. Ça, c'est la solution générale. Et il faut savoir ce que ce terme veut dire, l'amplitude. Il faut savoir ce que ce terme veut dire, la pulsation. Il faut savoir ce que ce terme veut dire, la phase. Et comprendre, non seulement il faut connaître les noms, mais il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Donc voilà. Bon, je rappelle que ça peut être un cosinus ou un sinus suivant la phase de ça. Quoi. Ça, c'est un choix qu'on a. À partir de ça, il faut savoir calculer la vitesse. Donc la vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps. Pardon, j'ai mis un point, mais pas de point ici. Par rapport au temps de la position. Donc il faut savoir dériver ça par rapport au temps. Ça, c'est important. Je vous rappelle que quand vous avez la dérivée, ce terme-là, il sort. Le oméga sort lors de la dérivée. Donc ça, c'est important à savoir calculer. Dans le système non amorti, voilà, se rappeler que on a l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de kx au carré, 1/2 de mv, mx point carré. Ça, c'est l'énergie cinétique, et l'énergie potentielle, c'est 1/2 de kx carré. Bon, pour l'examen, vous aurez un formulaire. Cette année, j'ai décidé de mettre ça. Donc, presque toutes les formules dont vous aurez besoin pour la résolution des exercices pour l'examen seront dans votre sujet. Donc voilà, ça évite de s'encombrer la tête avec plein de formules. Néanmoins, des formules comme celle-ci, des formules simples comme celle-ci, je pense pas les avoir notées. Donc c'est des choses à savoir, je pense. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré, l'énergie potentielle pour un ressort, c'est 1/2 de kx carré. Il y a des formules quand même assez simples que j'ai pas mises, mais si mes souvenirs sont bons, les coefficients de réflectivité, par exemple, ou les coefficients de transmission quand on a une corde et une grosse corde et une jonction avec une petite corde, les coefficients de réflexion entre deux milieux 1 et 2, ça c'est par exemple des choses que j'ai mis dans le formulaire, ce qui veut dire que c'est probablement quelque chose qui va sortir à l'examen. Donc, moi, je reviendrai là-dessus après.
Donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est bah, c'est de se rappeler hein, que un mobile qui est à l'élongation maximale, il a une énergie cinétique qui est nulle et une énergie potentielle qui est max. Qu'un mobile qui est à la position d'équilibre, il a l'énergie cinétique maximum et l'énergie potentielle qui est nulle. Se rappeler que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, que ces choses-là sont conservées lors du mouvement. Et par conséquent, l'énergie cinétique max, c'est égal à l'énergie potentielle max pour cette raison. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est les oscillateurs harmoniques non amortis. Donc ensuite, on a vu les oscillateurs harmoniques amortis, pardon. Oscillateurs harmoniques amortis. Donc là, il faut se rappeler aussi l'équation différentielle. Enfin, pas se rappeler, mais avoir une idée de comment on résout ça. Enfin, pas résout, mais quelles sont les solutions de ça. Et puis on a vu qu'il y avait différents régimes. Donc il y avait trois régimes. Le régime cinétique, le régime suramorti et le régime sous-amorti. Donc là, pareil, il faut connaître la condition pour être dans un de ces régimes-là. Et après tout, on se rappelle hein, que c'est ça fait ça pour le sous-amorti. Le régime critique, c'est le régime dans lequel on arrive, tac, et puis voilà, on arrive le plus vite possible à l'équilibre, quoi. Et le régime suramorti, c'est ce truc-là qui arrive comme ça. Voilà. Ça, c'est les trois types de régimes. Voilà, c'est plus, j'irais se rappeler d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, à la limite, quand je vous donne les valeurs des coefficients, enfin, d'amortissement, savoir dans quel régime on est. Encore une fois, hein, la plupart des équations vous seront données dans. C'est pas des choses à apprendre par cœur. Il n'y a pas de formule vraiment à apprendre par cœur. C'est ce que je veux dire. Ensuite, on a vu les excités. Alors là, pareil, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est comprendre un peu ce qui se passe. C'est quand on a un phénomène comme ça, par exemple un ressort, et que ce ressort, on l'excite, c'est-à-dire on tire dessus à une certaine fréquence, avec une certaine force, avec une certaine amplitude, ce système-là va répondre. Donc on a deux régimes, on a un régime qui est transitoire, voilà, tac tac tac, et puis après il va se mettre à osciller. C'est le régime transitoire qui nous intéresse pas beaucoup. Et ici, c'est le régime permanent. Et il va se mettre à osciller à la fréquence de l'excitateur. Pulsation de l'excitateur, si vous préférez. Donc, ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est suivant la fréquence d'excitation et suivant le système, on a des phénomènes qui peuvent apparaître, en particulier un phénomène qu'on appelle la résonance. Et donc, où on va avoir une amplification très forte du système. Amplification forte du système. Alors, comment on le voit? On le voit dans des courbes de type, si je regarde l'amplitude de mon système en fonction de la fréquence d'excitation, cette amplitude-là, ça va faire quelque chose comme ça. Ça, c'est la fréquence d'excitation, et puis ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Donc, ce que vous devez savoir, c'est la bande passante, la notion de bande passante.
comment on la calcule, et en déduire, par exemple, le facteur de qualité d'un système. Si c'est plus ça ou plus comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un facteur de qualité? Quelle est la relation entre la bande passante, la résonance et la fréquence de résonance, la bande passante, etc. Ça, c'est des choses que... C'est tout. Dans le sens, vous n'aurez pas de calcul très compliqué avec ce qu'on avait vu en cours avec les complexes où vous deviez calculer l'amplitude et la pulsation. C'est plutôt, si jamais vous êtes testé sur ce truc-là, c'est plutôt savoir interpréter ce genre de courbe. C'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Ensuite, on s'est intéressé à tout ce qui est onde. Donc, on a vu l'onde progressive plane. Donc, il y a une double périodicité, une périodicité temporelle et une périodicité, donc ça c'est le temps, et une périodicité spatiale. Et par une longueur d'onde. Donc, vous devez savoir l'écriture générale de ce type d'onde. Donc, X de... pardon. Ça. Si on appelle Y la position à un instant, à une position X et à un instant T, la position de la corde par exemple, il faut savoir que Y de X et de T s'écrit comme, alors il y a différentes manières de l'écrire, mais encore une fois, un choix qu'on peut faire c'est A, ça plutôt, c'est Y. X et de T, c'est A plus oméga T. Alors, moins KX si vous avez un déplacement dans la direction des X positifs, plus KX si vous avez un déplacement dans la direction des X négatifs. Donc ça, par contre, ça c'est à connaître par cœur. Ça c'est vraiment la base de la physique du son, hein, donc la physique des ondes, et comme ce qui nous intéresse, c'est le son, et que le son est une onde, voilà, c'est quelque chose vraiment essentiel. Donc ça, c'est typiquement c'est le genre de formule que je mettrais pas dans le formulaire, parce que c'est, s'il y a peut-être une formule à connaître, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'onde plane progressive. Ou l'onde progressive, tout simplement. Donc toujours une fois, hein, ça, toujours, pardon, encore une fois, ça c'est l'amplitude de l'onde, ça c'est la pulsation, ça c'est le vecteur d'onde, enfin le nombre d'ondes. Et ce que vous devez savoir, c'est la relation entre tout ça, entre oméga, lambda, la fréquence, la période, le nombre d'ondes et la célérité de l'onde. C'est célérité ou vitesse. Des choses que vous devez savoir faire. Alors si je vous dis, si je vous donne une pulsation et une vitesse, enfin une célérité, est-ce que vous êtes capable de me donner, je sais pas moi, le vecteur d'onde, enfin le nombre d'ondes. Hein. Donc ça c'est essentiel à savoir. Donc une onde progressive, elle transporte de l'énergie. Alors j'ai plus la formule en tête parce que on a vu que ça dépendait de l'amplitude, on a vu que ça dépendait de la fréquence de l'onde, que plus la fréquence est grande, plus l'énergie de l'onde transportée, enfin l'énergie transportée par l'onde est grande. Voilà, avoir une idée quand même de ce que c'est que l'énergie portée par une onde. Voilà. Pareil, là, c'est pas, vous voyez, j'ai pas la formule en tête, donc je vais pas demander aux étudiants d'avoir les formules en tête si moi-même je les ai pas. Mais bon, savoir calculer l'énergie portée par une onde, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu donc les interfaces entre les ondes.
entre deux milieux. Donc on a un milieu 1 et un milieu 2. Une onde qui arrive à une interface, elle sera transmise ou réfléchie. Et donc on a vu qu'on pouvait décrire la transmission en amplitude, la transmission en amplitude et la réflexion en amplitude par des coefficients qui vont dépendre des de l'impédance des milieux. Alors pour des cordes, on a vu que ça dépendait de, donc ça dépend de l'impédance des milieux. Et on a vu que pour une corde, cette impédance, elle dépend de la masse linéique de la corde. Et pour un son, je vous ai défini l'impédance d'un milieu. Donc on note Z. Hein. Donc c'est l'équivalent hein, pour des ondes sonores de du poids de la corde. Donc c'est-à-dire que dans certains milieux, le son va se propager plus, plus simplement que dans d'autres. Et donc quand on a une interface entre deux milieux, bah, on peut avoir une amplitude transmise plus grande ou une réflectivité plus grande. Je vais revenir après parce que je vais faire un exo là-dessus. Est-ce que c'est... Non. Donc Lisa me pose la question, est-ce que les formules de la pulsation, la période, etc. sont dans le formulaire? Non, ça c'est typiquement ce genre que par exemple la célérité d'une onde, c'est la longueur d'onde sur la période. Ça c'est des choses que vous devez savoir. Je dirais que c'est de la base en fait. Donc la base, vous devez savoir. Est-ce que vous devez savoir que le coefficient de transmission... alors je me rappelle même plus si c'est Z1, Z2, sur Z1 plus Z2, enfin je sais plus exactement, mais là il y a toute une formule avec des Z, non, ça non, typiquement c'est ce que je vous donnerai ça. Vous aurez droit aussi à la calculatrice, hein. Donc vous pouvez apporter votre calculette, hein. Voilà, je crois que dans les textes, vous n'avez pas le droit de mettre des formules dans vos calculatrices, par contre. Et donc, voilà, je crois que si vous êtes chopé en train de regarder des formules dans votre calculatrice, c'est... voilà. D'ailleurs, je crois que vous n'avez même pas le droit d'avoir des calculatrices graphiques avec des formules dedans. Enfin, je sais pas, vous savez mieux que moi. Mais normalement, je dirais que ça craint, en fait. Si vous connaissez pas ces formules... en dehors du fait que ça risque de vous poser des problèmes lors de l'examen, ça craint dans vos études, quoi, parce que ça va vous poser des problèmes dans vos études et dans votre vie plus tard. Il y a quand même c'est quand même la base, quoi, ce genre de choses. Par exemple, ce genre de formule, c'est vraiment la base. Après, je dis pas que si vous les connaissez pas maintenant, je dis pas que ça craint. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, vraiment les prérequis pour rentrer en deuxième année et faire continuer dans les études sur l'acoustique et le son. Quoi. Si ça, c'est pas acquis, c'est quand même le minimum, quoi, je veux dire. Donc voilà. Donc on a vu ces histoires d'interface. Puis après, on a eu tout un cours sur les ondes stationnaires. Donc on a vu qu'une onde stationnaire, hein, c'est donc une onde. En général, c'est quand c'est bloqué entre deux milieux, et puis Donc là j'ai mis les trois premières harmoniques. Donc savoir ce que c'est qu'une harmonique, donc savoir ce que c'est qu'une fondamentale, ça c'est ce qu'on appelle la lambda sur 2, l'harmonique, la deuxième harmonique, la lambda sur 3, la troisième harmonique, etc. Donc et savoir comment calculer en fonction de la longueur de la corde, hein, donc là typiquement c'est une corde qui est pincée, donc une corde de guitare par exemple,
voilà, connaître la relation entre les longueurs d'onde, les numéros d'harmonique et la longueur de la corde. Donc ça c'est important, savoir ce que c'est qu'une harmonique. Et de se rappeler, donc je parlais de l'énergie tout à l'heure, se rappeler qu'une onde stationnaire, c'est en fait deux ondes, avec une onde qui se propage dans le sens positif, et une onde de même amplitude qui se propage dans le sens négatif. Et donc grâce à ça, en fait, on peut calculer l'énergie d'une onde, d'une harmonique en fait. Donc, pareil, je l'ai pas en tête. On va faire un petit exercice juste après sur l'énergie de l'onde, puisqu'en fait ça va répondre à une question qui m'a été posée sur le Discord ce week-end. Donc je vais revenir sur ce point-là en particulier, sur l'énergie portée par une harmonique. Et chose qui est absolument essentielle quand on s'intéresse au son, c'est la notion de transfert et de Fourier. Alors pas vraiment le calcul, parce que il s'avère que mathématiquement c'est quand même assez compliqué. On était déjà à l'époque, on commençait déjà à être en confinement, donc je vais pas vous demander de calculer des intégrales très compliquées. Je vais pas vous demander de calculer d'intégrales du tout, je crois. Mais au moins de comprendre la notion de transfert et de Fourier. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'un signal, par exemple sur une corde comme ça, où on va avoir que n'importe quel signal peut être décomposé par une somme de fonctions, enfin par une somme d'harmoniques, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc là on voit bien hein, que on a deux choses. On a cette harmonique là et on a cette harmonique là. Donc si je décomposais mon signal compliqué là, qui est un cas simple hein, d'ailleurs, en deux harmoniques, voilà ce que j'obtiendrais. J'obtiendrais choses comme ça. Et superposé à quelque chose comme ça. Et cette représentation temporelle, je peux la représenter dans une représentation fréquentielle, en disant que à celle-ci, j'associe une fréquence F1. À la verte, j'associe une fréquence F2. Je vois que l'amplitude A1 est beaucoup plus grande que l'amplitude A2, mais que la fréquence F2 est beaucoup plus grande que la fréquence F1. Donc si je devais dessiner le spectre de ce truc-là, j'aurais quelque chose à la fréquence F1 avec une amplitude A1 et à la fréquence F2, beaucoup plus petit, hein, avec une amplitude A2. Donc ça, c'est la représentation fréquentielle de ça. Et donc ce qui relie ce truc-là à ce truc-là, c'est ce qu'on appelle la transfert de Fourier. Ça, c'est relié aussi à ça. Donc il y a toute une formule pardon pour calculer la transfert de Fourier d'un signal. Mais comme je vous dis, c'est plus d'un point de vue qualitatif. Est-ce que vous êtes capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, quoi? Quand vous avez ce passage-là, qualitativement, est-ce que vous comprenez? C'est surtout ça que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Pourquoi mon bâton, il est là? Si je dessine un bruit, par exemple, le spectre fréquentiel d'un bruit, ça va être un truc comme ça, quoi.
Parce qu'en fait, il y a plein de fréquences, que l'amplitude est pas du tout reliée les uns aux autres. Et donc, si je fais la transformée de Fourier inverse pour regarder un bruit, bah, j'aurai un truc comme ça, quoi. Ça, c'est du bruit, quoi. Oups. Ouais, j'ai mon visage dessus. Ça, c'est du bruit. Par exemple. Et ce bruit, quand je le fais la transformée de Fourier, bah, j'obtiens un truc qui où j'ai plein de fréquences et j'ai pas de relation entre ces fréquences-là. Par contre, quand on a un instrument de musique hein, de bonne qualité, on va avoir la fréquence fondamentale, c'est ça la fondamentale par exemple, et ici, ce sera la deuxième harmonique. Donc la deuxième harmonique, elle a pour fréquence, j'appelle ça F0, deux fois la fréquence fondamentale. L'amplitude de ces harmoniques me définit ce qu'on appelle le timbre d'un instrument. Donc quand vous faites une note sur un instrument, vous avez bien sûr la note fondamentale, mais vous avez aussi les harmoniques qui sont excitées. Donc on a vu d'ailleurs comment on pouvait exciter les harmoniques. Ça dépend, je pense à la guitare par exemple, ça dépend de l'endroit où on va jouer la corde. Donc la note, c'est-à-dire la fondamentale, va être déterminée par la longueur de la corde. Donc ça, pour un violon, pour une guitare, ça va dépendre de la position du doigt sur la corde qui va donc définir sa longueur, et le timbre du son que vous allez générer va dépendre de la manière dont vous attaquez la corde. Et donc on a vu un petit peu comment on pouvait modifier le timbre comme ça. Donc d'ailleurs je vais reprendre un petit comment on place F1 et F2 sur l'axe des abscisses pour la représentation fréquentielle. Bah ici c'est des fréquences, donc si on me dit que F1 vaut 10 Hz et que F2 vaut 100 Hz, par exemple, si je fais une graduation de 5, par exemple, 5, ça fait 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, je vais dire plutôt 50 Hz. 50, bah, là sur mon graphique à 10 je mets mon bâton, à 50 je mets mon autre bâton, et la hauteur de mon bâton, c'est-à-dire l'ordonnée du point ici, c'est l'amplitude de mon onde à cette fréquence là. Donc là ce que j'observe c'est qu'à 10 Hz l'amplitude elle vaut ça, donc positionner mon point ici. Et puis à 50 Hz, l'amplitude elle vaut ça, et donc je vais positionner mon point ici. Voilà comment je peux placer les points. C'est bon ? Très bien. En parlant d'amplitude, le niveau sonore, ça aussi c'est une notion extrêmement importante, qui est notée L. Alors, il y a deux manières de l'écrire, soit en pression, soit en fonction de l'intensité sonore. Donc déjà l'intensité sonore, qu'est-ce que c'est que l'intensité sonore ? Ça c'est important. Donc c'est une puissance sur une unité de surface, hein, c'est défini en watts. Par mètre carré. Comprendre que un son ici, bah, plus on s'éloigne, plus l'intensité ou le niveau sonore de mon son plutôt va diminuer. Donc connaître cette relation en fonction de la distance. On va faire un petit exercice aussi là-dessus. Voilà, et de savoir calculer à partir de l'intensité sonore qu'on note I le
le niveau sonore. Alors, je... Donc, c'est... C'est 20, ouais. 20 log de I sur I0. Et pareil, I0, je me rappelle plus, je crois que c'est du 10-12 watts par mètre carré. Vérifié, je suis... À vérifier, je suis plus très sûr, mais je crois que c'est ça. Pareil, c'est, ça, c'est, cette formule, je vous la donnerai. Il y a le niveau sonore en pression qui est donné par 10 log de P sur... Non, c'est l'inverse, je crois. Ça, c'est 10 et ça, c'est 20. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Je vais avoir la formule. Oui, c'est ça. Donc le niveau sonore c'est 20, puisque en fait c'est en fonction de si on a du p carré. Et donc le... Quand ça sort, ça fait du. Ok, donc ça, savoir calculer. Donc ça, ça vous dit. Savoir calculer les niveaux sonores. En fonction des, de l'intensité sonore. Ça, c'est important. Donc ça, c'est défini en dB. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bah, le son, comme on a dit, la notion d'impédance. Typiquement, ouais, la notion d'impédance, la vitesse du son, comment... quels sont les paramètres qui vont jouer sur la vitesse du son, comme la température, la pression, etc. On a vu les instruments. Donc ça, ça allait avec, hein, d'ailleurs, au sonore. Ça. Les instruments. Donc avec tout ce qui était les cavités ouvertes et fermées, donc de connaître comment on calcule les harmoniques dans un tube semi-ouvert ou fermé, semi-ouvert ou ouvert plutôt, parce que fermé ça risque pas de sortir. Donc voilà, comment on calcule ces harmoniques-là. Et puis, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais faire des exos, et puis peut-être que si j'ai oublié des trucs, je reviendrai sur ce plan. Ce que j'ai noté là, je vous le donnerai. Je peux donner un lien en fait vers ce truc-là, donc vous pourrez y accéder si vous avez besoin de vous y référer. Alors, j'avais pas mal de questions concernant des exercices qui ont été faits ou des annales. Alors, je me rappelle plus qui m'a posé cette question, c'est sur le résonateur d'Helmholtz. Donc ça, c'est un exercice que j'avais donné il y a quelques années. C'est trop compliqué. Enfin, c'est trop compliqué. C'est... clairement, cette année, vous n'aurez pas des choses comme ça à faire. C'est intéressant, hein, parce que c'est un système un petit peu modèle pour voir quelles sont les fréquences du son qu'on peut générer en soufflant dans une bouteille, par exemple, en fonction de la hauteur de l'eau dans une bouteille, ou pas qu'en soufflant, mais en excitant, par exemple, un verre en cristal. Voilà, ce genre d'exercice qui permet de calculer ces fréquences-là. Après, c'est un exercice qui mathématiquement est assez compliqué. Donc, la conclusion, on la connaît, hein, c'est que plus on met d'eau dans la bouteille, plus la fréquence du son sera grande. Hein. Je pense qu'on a tous fait cette petite expérience. En soufflant dans une bouteille, on voit bien que plus on boit, plus c'est grave. Maintenant, les questions sont... Ça nécessite quand même un peu de calcul de différentiel
Et je pense que on n'en a pas fait suffisamment pour que. Typiquement, je pense à un exercice que vous devriez avoir en deuxième année plutôt qu'en première année. Donc ça, c'était cet examen, je l'ai fait la première année où j'ai donné mon cours d'acoustique. Donc j'avais peu d'idées du niveau auquel je devais me mettre. Donc j'avais peut-être mis la barre un peu trop haute. Et voilà. Donc je pense que je sais plus qui m'a posé cette question là, mais vous inquiétez pas trop, vous aurez pas trop ce genre de choses à faire. Bon, je pense que c'est quand même important de savoir calculer une différentielle. Donc j'ai mis la solution ici. Je vois par exemple le PV gamma. Calculer la différentielle de cette fonction-là. Se rappeler qu'une différentielle, c'est la dérivée. Donc si j'appelle cette fonction f par exemple. C'est la dérivée partielle de f par rapport à ma variable. Donc j'ai deux variables, j'ai p et v, par rapport à p, je multiplie dp, plus la différentielle de cette fonction par rapport à v, je multiplie dv. Et donc la dérivée de ma fonction pv gamma par rapport à p, si je considère que v gamma est une constante, hein, ça vaut juste v gamma, puisqu'en fait la dérivée de p ça vaut 1, ça vaut v gamma dp. Et la dérivée de pv gamma par rapport à v, cette fois-ci en considérant que p est constant, p est une constante, je peux la laisser devant, et la dérivée de v gamma par rapport à v, hein, donc c'est la dérivée de x puissance n, et la dérivée de x puissance n c'est n puissance x n moins 1. Donc là, mon x c'est v et mon n c'est gamma. Donc ça me fait gamma moins gamma v puissance gamma moins 1. Tout ça que multiplie dv. Voilà. Donc ça c'est des petites mécaniques comme ça qu'il est important d'avoir. Pareil, je crois pas que cette année je vais vous tester sur ce genre de raisonnement mathématique. Ça veut pas dire que c'est pas bien de savoir faire ça, hein, mais bon, voilà. Là, l'objectif c'est de réviser pour l'examen. Voilà. Donc ça, c'est pour la réponse à la question de. J'aurais dû mettre les noms des gens. J'avais une autre question aussi sur l'exercice 5 sur le TD sur les ondes stationnaires. Aussi, hein, c'est ce type de calcul, je vais pas vous demander, c'est quand même assez compliqué à faire. L'idée, hein, c'est on a une corde de longueur L qui est pincée à ses extrémités, donc on va l'exciter, on va exciter des ondes stationnaires, donc des harmoniques, la fondamentale, les premières harmoniques, etc. Et comment on peut calculer l'amplitude de ces harmoniques. Donc, si je reviens par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est typiquement comment je peux calculer le spectre fréquentiel quand j'excite ma corde. On descend ici plutôt. Peut-être dézoomer. Comment je. Ça ici. Hop, le spectre fréquentiel. Ça c'est l'amplitude et la fréquence. Et donc comment je calcule l'amplitude de ces différentes fréquences. Donc on a la fréquence fondamentale. Donc on appelle, que je vais noter F1 plutôt puisque c'est ce qu'on appelle la première harmonique. F2, F3, donc deuxième harmonique, troisième harmonique. Et donc comment je calcule A1, A2 et A3 quand je tire ma corde d'une distance d par rapport à l'équilibre au milieu de ma corde. Donc la réponse à cette question, c'est de faire la transformée de Fourier, donc l'amplitude
ici de mes de mon harmonique N, elle vaut ça. Donc c'est 2 sur L, l'intégrale de 0 à L de dx de sinus de Np sur L x, que multiplie ma fonction f de x. Ma fonction f de x, c'est cette fonction-là. C'est celle qui représente ma corde quand je l'ai tirée d'une distance d. Donc c'est une fonction, ce sont des droites, en fait, définies par... C'est une fonction définie par partie, où chaque partie est une droite. Donc là, on peut calculer quand x est compris entre 0 et L sur 2, on peut calculer quelle est l'équation de cette droite. Donc je l'ai noté ici, ça vaut 2D sur L, x. Et quand x est supérieur à L sur 2, on peut calculer l'équation de la droite, qui vaut 2D moins 2D sur L, x. Hein, on a un coefficient directeur qui est négatif, on voit bien que cette droite descend quand x augmente. Et donc l'idée, c'est de calculer cette intégrale. Pareil, je pense que c'est important de dans sa vie de savoir faire ça, du moins de comprendre mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire. Typiquement, dans votre métier, hein, vous aurez ce type de calcul, vous aurez tout le temps à le faire, parce que ce que vous allez faire dans votre vie, c'est mesurer des sons avec des micros, et regarder le spectre fréquentiel, parce que c'est ce qui va vous donner une information sur à quel point vous amplifiez telle ou telle fréquence, ou à quel point vous atténuez telle ou telle fréquence, en fonction de l'audition de la personne. Ou alors, simplement, de comprendre comment est l'audition de la personne. Donc, vous n'allez pas regarder le spectre temporel d'un son, vous allez toujours regarder le spectre fréquentiel. Donc la transformée de Fourier est l'outil mathématique qui est le plus important dans vos études. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un bouton sur votre ordinateur qui va vous faire ce calcul-là. Voilà. Donc clairement, dans votre métier, vous n'allez jamais prendre une intégrale et vous dire « Ok, alors là j'ai mon spectre temporel, ok, alors c'est parti ». Attends, il faut que je calcule la fonction de mon son. Allez, c'est parti, tac, je fais mon truc, sinus, n pi sur L. Non, vous ne ferez jamais ça. Vous aurez un bouton sur votre écran, ça s'appelle TF, et qui va vous donner... Ça ne s'appellera même pas TF, parce qu'en fait, les trucs vont... Ça va être trop compliqué, les gens ne vont pas comprendre ce que ça veut dire que TF. Donc ça va être genre spectre, quoi, comme ça. Et donc vous allez appuyer sur le bouton et ça va vous donner le spectre. Donc moi, l'objectif en première année, et puis dans les années suivantes d'ailleurs, puisque on va continuer à parler du transformé de Fourier de spectre, c'est pas vraiment de vous apprendre à calculer ce truc-là, parce que... ouais, vous n'êtes pas mathématicien... Enfin, c'est même pas des maths, hein, c'est du calcul. Mais bon, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre quand vous allez appuyer sur le bouton calcul du spectre fréquentiel, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, pour comprendre ce qu'il y a derrière, il faut comprendre les maths. Voilà. Donc, je pense que dans votre vie, c'est bien de le faire une fois. Et donc, quand vous faites ce truc-là, en injectant la fonction dans l'intégrale, ça vous donne les valeurs de A1, A3 et A5. Alors ce que vous allez vous remarquer, c'est que comme vous tirez à la moitié, toutes les harmoniques paires ont des amplitudes nulles. Donc A2 est égal à 0, A4 est égal à 0, A6 est égal à 0, etc., etc. Et ça dépend de la manière dont vous tirez la corde. On avait vu, hein, je pense que j'avais fait un petit test avec la guitare où quand on tire la corde plus vers le milieu des cordes, on va enrichir en harmonique. Alors que quand vous allez tirer vraiment à l'une extrémité, vous allez avoir des harmoniques... très
très bien défini. Donc on peut changer le timbre de l'instrument en fonction de l'endroit où on va aller exciter cette corde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va jouer sur les valeurs de A1, A2, A3, etc. Donc un bon guitariste, enfin un bon musicien, il est capable de jouer sur le timbre de son instrument en fonction de la manière dont il va l'exciter. Alors moi je fais pas de flûte ou je fais pas l'instrument avant, mais j'imagine que en fonction de la manière dont on va souffler ou la manière dont on va mettre sa bouche au niveau du bec, on va pouvoir modifier le timbre et donc changer modifier l'amplitude des harmoniques et donc par conséquent changer le timbre. Et donc ça, c'est comprendre ça c'est votre job et mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire derrière, quoi. C'est ça qui est important. Maintenant à l'examen vous aurez pas ça, si vous pouvez être rassuré, vous aurez pas des calculs comme ça. On sait hein, les harmoniques, enfin les ondes portent une énergie. Et donc la question qui m'était posée, c'est montrer que les trois premiers modes contiennent 93,5% de l'énergie totale acquise. Alors comment on fait ça à partir de ça? Donc là, on a l'énergie d'une harmonique. Donc l'énergie d'une harmonique, ça dépend de la masse linéique. Ça dépend de la longueur de la corde. Et ça dépend de l'amplitude de mon harmonique et de sa fréquence. Donc ici on a tout, hein, on connaît la tension, on connaît la longueur, et normalement on connaît aussi mu, donc on connaît cette relation, et donc on peut calculer. Si on fait la somme de A1 plus A3 plus A5, la relation avec l'énergie totale. On sait que ça vaut 2t d carré. Alors c'est pas A1, c'est E1, E3 et E5. Et E1, c'est un quart de mu L A1. Au carré et oméga 1 au carré. Et on connaît les relations entre oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Donc on peut calculer, on peut faire cette somme. Mu L à 3 au carré oméga 3 au carré plus un quart de mu L à 5 au carré oméga 5 au carré. Donc on peut faire cette somme et la comparer à celle-ci et montrer que ça vaut 93,5%. Donc il faut montrer que la somme de E1 plus E3 plus E5, c'est 0,935 fois 2t d carré sur L. Et donc on connaît hein, la relation entre mu et t. Parce que bon, là on a un T et là on a un mu, donc, mais on sait que. Alors j'ai plus la relation en tête, mais on doit avoir. Non, pas entre mu et T, mais entre mu et oméga et T, quoi. Ouais. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu comment faire ça. C'est peut-être ça d'ailleurs la question. Mio. Chat du voisin qui vient nous rendre visite. Donc, ok. Là-dessus. Donc voilà pour les questions. Calculer la fréquence d'un son de longueur d'onde 1 mm. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est typiquement des questions que je vais vous poser, quoi. Calculer la longueur d'onde du son de fréquence
1 kHz, à condition bien sûr que je vous donne la vitesse du son. Et la longueur. Parce que si je vous donne la vitesse du son, par exemple, on va dire dans l'air, condition normale, 340 mètres par seconde, est-ce que vous êtes capable de calculer la fréquence d'un son si je vous donne la longueur d'onde? Et est-ce que vous êtes capable de calculer la longueur d'onde si je vous donne la fréquence? Voilà. Donc ça, c'est à faire. Je fais pas le calcul, hein. Je vous donne juste ce que vous devez savoir. Là, a priori, je pense que vous devriez pas avoir de problème. N'oubliez pas de mettre les unités. Une fréquence, c'est des hertz, ou des kilohertz, ou des mégahertz, ou ce que vous voulez. Et une longueur d'onde, elle s'exprime en mètres ou en centimètres ou en ce que vous voulez, quoi. Ou en millimètres. Mais donc n'oubliez pas les unités. Ça, c'est important. Si vous mettez pas les unités, je peux pas vous compter bon le résultat de votre calcul. Parce que ça veut rien dire, en fait. Si je vous dis ça vaut 3 quoi, je sais pas, en fait. Donc n'oubliez pas, ça c'est vraiment extrêmement important, les unités. Unité. Ensuite, donc je vous ai remis cet exercice là, je pense que c'est important que vous le travailliez. Calculer, ça c'est voilà, juste pour vérifier que vous savez calculer ce genre de choses avec une calculatrice, ou même sans calculatrice d'ailleurs. Cette formule. Alors si mes souvenirs sont bons, elle sera dans le formulaire. Voilà, donc savoir calculer le niveau acoustique si je vous donne la valeur de I. Et donc se rappeler que c'est en dB. Et inversement, savoir calculer l'intensité acoustique si je vous donne le niveau acoustique. Ça c'est super important. Pour la formule, si vous connaissez cette formule, 10 log de I sur I0, vous pouvez déterminer I en faisant l'inverse du logarithme. Alors comment ça marche? Vous mettez, donc c'est une équation, hein, je peux diviser par 10 chacun des termes, donc ça me donne n sur 10 log de I sur I0, et l'inverse de la fonction logarithme, c'est la fonction 10 puissance. Donc si vous prenez 10 puissance n sur 10, donc vous faites 10 puissance le terme de gauche, vous pouvez faire 10 puissance le terme de droite. Et c'est comme l'exponentielle avec le logarithme népérien, 10 puissance le logarithme décimal de I sur I0, ça vaut I sur I0. C'est la fonction inverse du log décimal. Et donc, voilà comment on peut calculer l'intensité. L'intensité acoustique, c'est I0, 10 puissance, N sur 10. Donc si vous connaissez cette formule-là, vous pouvez en déduire celle-ci. Apprenez à faire ça aussi. Je crois que dans le formulaire, celle-ci est donnée aussi. Mais pareil, c'est des choses que vous devez apprendre à faire. Passer de l'un à l'autre. Dans votre vie, vous allez passer votre vie à mesurer des choses en décibels. Donc vous devez avoir une bonne connaissance de cette échelle de décibels, de comprendre comment on la manie, comment faire les calculs avec ça. Donc révisez bien cet exercice. Donc il y a la correction qui est juste à côté. Pareil, on a l'intensité d'un son. Voilà. Un son de fréquence 1000 Hz possédant une pression acoustique efficace de 2 10 puissance moins 5 pascal, un son de fréquence 1000 Hz d'intensité 10 moins 4
watts par mètre carré, un son de fréquence Millhertz possédant un niveau de pression acoustique de 60 dB. Voilà, comment à chaque fois calculer l'intensité si on vous donne ces informations-là. Donc révisez aussi cet exercice. C'est important. Donc, l'intensité, hein, acoustique, elle vous est donnée par la pression au carré sur l'impédance. Donc, l'impédance pour le son, je vous rappelle que ça vaut 400. Si vous rappelez pas de ça, c'est pareil, ce sera vous donné. Mais ça aussi, je pense que c'est important de garder en tête que l'impédance d'un son, ça vaut 400. Et donc, de connaître la relation entre l'intensité acoustique et la pression acoustique. Donc ça dépend de l'impédance. Voilà, donc avec ça, on peut calculer l'intensité. Si, comme on connaît la pression acoustique, on peut calculer l'intensité acoustique avec cette formule-là. Et si on connaît l'intensité acoustique, on peut déterminer le niveau sonore avec la formule N est égal à 10 log de I sur I0. Vous pourriez aussi calculer l'intensité, le niveau sonore en prenant la formule LP est égal à 20 log de P sur P0. Avec P0 qui vaut je sais plus combien, j'ai plus la valeur en tête, mais ça marche aussi. Puisqu'en fait tout est relié. Hein. Donc c'est aussi une autre manière. Vous avez la pression, donc vous pouvez calculer. Si vous connaissez la pression, on vous donne P0, bon j'ai plus la valeur en tête, vous pouvez calculer le niveau sonore. Sinon, vous pouvez calculer l'intensité sonore, puis avec l'intensité sonore, calculer le niveau sonore. Dans le deuxième cas, on vous donne l'intensité. Donc si vous avez l'intensité sonore, vous pouvez calculer le niveau acoustique à partir de la formule 10 log de I sur I0. Et dans le troisième, on vous donne directement le niveau sonore, ceux de 60 dB. Donc vous pouvez comparer les trois. Donc ça, c'est important de savoir le faire dans un sens, c'est important de savoir le faire dans l'autre sens. À savoir, on pourrait vous dire, bon bah voilà, on vous donne le niveau sonore, est-ce que vous pouvez chercher parmi ces sons, quel est celui qui a la pression la plus forte, par exemple. Ou quel est celui qui a l'intensité acoustique la plus forte. Donc, faire le calcul dans l'autre sens. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Ou si je vais trop vite. Voilà, j'ai fait à 10 mètres de la scène, vous entendez la musique à un niveau acoustique de 80 dB. Quel est le niveau à 25 mètres? Donc ça, c'est la question, c'est de se rappeler que quand on a une source sonore, bah, plus on s'éloigne de cette source et moins on entend, hein, bien évidemment. C'est parce que on a des ondes qui sont sphériques. Et que ça va dépendre de la surface de cette sphère, hop, la surface de la sphère, et que la surface de la sphère, c'est 4π r carré, r étant le rayon de la sphère. 4π s égale 4π r carré. Et donc, par conséquent, être ici ou être ici et avoir son oreille j'ai mis un œil mince une oreille ici ou une oreille ici c'est pas la même chose hein. Par exemple si on est deux fois plus loin on a deux fois plus loin, ça veut dire que le rayon est deux fois plus grand, et donc que la surface est quatre fois plus grande, et donc que l'intensité sonore sera quatre fois plus petite. Et donc le niveau sonore, par conséquent,
sera plus petit. Alors quand on divise par 2 la distance, je sais plus exactement combien ça fait en dB, mais on diminue, on peut faire le calcul. Voilà, donc ça c'est le genre de calcul qu'il faut savoir faire, quoi. Là j'ai multiplié la distance par 2,5, donc de combien de dB j'ai perdu. Voilà, attendez-vous à ce genre d'exercice. Coefficient de transmission. Ça va, y a pas de question là-dessus. Est-ce que vous savez faire ça? Sinon, hein, voilà. Sinon, redire. Ouais, je peux le redire. Après, je vous rappelle que c'est enregistré, donc vous pouvez aussi me réécouter. L'intensité sonore ou le niveau acoustique diminue quand je m'éloigne de la source d'un son. Donc ça c'est, on le sait, hein, plus on, au fond de la classe on entend moins bien que... Est-ce que je peux détailler le calcul? Ouais, bien sûr. L'intensité. À une distance R1 sur l'intensité à une distance R2, c'est inversement proportionnel à la distance au carré entre R2 et R1. Le rapport des intensités sonores, il est inversement proportionnel au carré des distances. Et ça, ça devrait être logique maintenant, parce qu'en fait, c'est l'intensité sonore, c'est une puissance par unité de surface, et que quand je m'éloigne de ma source, la surface grandit, augmente. Comment? Ben, en fonction de R au carré. Et par conséquent, l'intensité sonore diminue. Donc plus je m'éloigne, plus ça diminue, mais ça diminue par le carré de la distance. Donc si je fais ce calcul l'intensité par exemple à 25 mètres sur l'intensité à 10 mètres, c'est 10 au carré sur 25 au carré. Ça évolue comme le rapport inverse des carrés de la distance. Donc on peut faire le calcul, hein, je ne sais pas combien ça fait 100 sur 25 au carré, ça fait combien ça? Vous pouvez me dire combien ça fait 25 au carré? Et donc ça fait 1 sur 6, ça fait 0,015, un truc comme ça.
Allez, peu importe la valeur. 0, on va dire 0,15. Waouh, 0,16, j'étais pas loin. C'est tout ça à la louche. Hein. 0,16, ok. Donc, on connaît ce rapport. J'ai un problème de stylo. On connaît ce rapport. Donc, par conséquent, I à 25 mètres, c'est 0,16 I à 10 mètres. Alors après, il y a différentes manières de continuer le calcul. Donc moi, ce qu'on me donne, hein, c'est pas I, c'est N ou L. C'est le niveau sonore en dB. Ici. Donc, soit je calcule, on dit que c'est 80 dB, soit je calcule l'intensité sonore à 10 mètres à partir de la valeur de 80 dB. Ça, c'est une solution. Ici. Donc, je sais que N à 10 mètres, c'est 80 dB. Donc, à partir de ça, je peux en déduire que vaut I à 10 mètres. Ça, c'est... Et donc, en déduire... Je fais pas le calcul, hein, je vous laisse le faire. En déduire I à 25... Et donc, en déduire N à 25. Ça, c'est le... Vous voyez chacune des étapes ? Je pense que je ne reviens pas trop là-dessus. Si on connaît le niveau sonore, on peut calculer l'intensité acoustique. Si je connais cette intensité acoustique à 10 mètres, je connais l'intensité acoustique à 25 mètres. Si maintenant je veux calculer le niveau sonore et, alors que je connais le niveau acoustique, pardon, si je veux calculer le niveau acoustique alors que je connais l'intensité, le niveau sonore, pardon, alors que je connais l'intensité acoustique, bah, j'utilise la formule inverse de tout à l'heure. Donc ça, c'est une méthode. Sinon, on peut se rappeler que on peut diviser tout par cette équation par I0. Donc I sur I0. J'ai le droit de faire ça. Hein. Et ensuite, je peux prendre 10. On prend la puissance de 10 de ce truc-là. Non, pas la puissance. Pas la puissance. La puissance, c'est le log. Le log de ce truc-là. Pardon. Et puis, je peux multiplier les deux termes par 10. Pardon. 0,16. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'observe à gauche ? Bah, j'observe que c'est le niveau sonore à 25 mètres. Et ici, je peux développer mon logarithme népérien, enfin mon logarithme décimal, en disant que c'est 10 log de 0,16 plus 10 log de I 10 sur I0, et donc j'ai N25 qui est égal à 10 log de 0,16 plus N à 10 mètres. Donc
Voilà comment on peut calculer le niveau sonore. Donc là, on prend la calculette. Que vaut le log de 0,16? Ouais, je vous écoute. Vous trompez, ça est une bonne chose parce que ça permet de voir si vous ne trompez pas entre le logarithme népérien et le logarithme décimal. Là, il faut vraiment faire attention. Vous ne trompez pas. Votre calculatrice, elle a deux logs. Le log népérien, qui est l'inverse de la fonction exponentielle, et le log décimal, qui est l'inverse de la fonction 10 puissance. Moins 0,8. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ok. Donc ça nous donne moins 8. Donc c'est moins 10 fois. Enfin, c'est 10 moins 0,8 plus n de 10. Donc ça fait moins 8 dB. Donc on voit hein, que donc, ce qui nous donne 72 dB pour le calcul. Donc on voit hein, que quand on est passé de 10 mètres à 25 mètres, on a perdu 8 dB. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce calcul, c'est qu'on peut faire une formule très très générale de ce type de calcul. Parce que mon 0,16, c'est quoi? Mon 25, c'est la distance que j'ai appelé 2. Mon 0,16, c'était quoi? Bah, c'est ma distance R1 au carré sur ma distance R2 au carré. Et ce que j'ai appelé 10, ici, c'est ma première distance. Donc là, on peut même sortir le carré. On donne 20. Alors, n à la distance R1 plus 20 log de R1 sur R2 ou moins 20 log de R2 sur R1 comme on veut. Mais donc là on a vraiment une formule très très générale. Vous mettez n'importe quelle distance, c'est R1 ici. Vous mettez n'importe quelle distance. Si vous connaissez le niveau acoustique à une distance, bah, vous trouvez le niveau acoustique à n'importe quelle distance. Ok. Alors, ouais, désolé, je regardais un truc, c'est vrai, je poserai la question plus tard.
Donc il y avait une question encore sur, il y avait une autre question sur les interférences, les interfaces sur les déphasages. Alors, ce qu'il faut, donc je rappelle l'exercice, on avait donc corde, donc de plus en plus lourde. Donc on a 4A, cette condition-là. K3 qui est supérieur à K2, supérieur à K1. Et on nous demande de faire l'adaptation d'impédance. Donc faire en sorte que ce qui est réfléchi à l'interface soit nul. Donc ce qu'on aimerait, hein, c'est que Y4 plus Y6 soit égal à 0. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc c'est Y4 étant la réflexion de Y1 sur l'interface, et Y6 étant la réflexion venant de la deuxième interface, hein, de Y1. Donc Y1 est réfléchi à la première interface, ça donne Y4, et transmise à la première interface, ça nous donne Y2, qui est réfléchi sur la deuxième interface, ça nous donne Y5, et ce Y5 est transmis dans le premier milieu, et c'est ce qu'on appelle Y6. Et donc ce qu'on veut, c'est que Y4 plus Y6 est égal à 0, et donc on veut faire ce qu'on appelle de l'adaptation d'impédance. Alors, il y a deux choses à faire dans l'adaptation d'impédance, c'est que il faut s'assurer que les phases de Y4 et de Y6 se interfèrent de manière destructive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une onde qui est comme ça, et que si je réussis à la faire interférer, c'est-à-dire ajouter une autre onde, comme ça, bah ce que je vais entendre, c'est la somme des deux. Et la somme des deux, bah c'est ça. Donc pour ça, il faut faire en sorte que la phase de cette onde et la phase de cette onde soient en opposition de phase. Ou un nombre ou un multiple de cette opposition de phase. Donc je rappelle, hein, opposition de phase, ça veut dire déphasage de pi. Donc ça, c'est important, hein, se rappeler aussi quadrature de phase, phase, quadrature de phase, opposition de phase. Ça, c'est des choses que vous devez connaître, ce vocabulaire-là. Donc, comment on fait ça? Ce qu'il faut, c'est calculer le déphasage de Y6 par rapport à Y4. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que quand on passe d'un milieu ce qui est le cas ici, K1 est inférieur à K2, alors le déphasage de quand vous passez d'un milieu léger à un milieu lourd, par exemple, ce qui est le cas ici, l'onde qui est réfléchie est déphasée de pi par rapport à l'onde incidente. Donc vous avez ici K1, K2. Si K1 est inférieur à K2, l'onde qui arrive ici et l'onde qui est réfléchie à l'interface sont déphasées de pi. Donc cette onde-là, la rouge, elle est déphasée par rapport à l'onde incidente de pi. Elle est en opposition de phase. Ce qui n'est pas le cas si K1 est supérieur à K2. À ce moment-là, elles sont en phase. Donc si K1 était supérieur à K2, j'aurais
le réfléchi qui serait en phase avec l'onde incidente. Donc, la conclusion de ça, c'est que Y4 est déphasé par rapport à Y1 de pi. Donc là, je regarde le déphasage par rapport à Y1. Y2, lui, est transmis. Donc le déphasage de Y2 par rapport à Y1 est nul. Une onde transmise n'a pas de déphasage par rapport à l'onde incidente. Donc ça, le déphasage est zéro. Donc maintenant, Y2 qui arrive à l'interface entre le 2 et le 3. Ici, on a K2 est inférieur à K3. Donc le réfléchi qui s'appelle Y5 est déphasé par rapport à Y2 de pi. Or, Y2 n'est pas déphasé par rapport à Y1. Une manière de le dire, c'est que il est déphasé, le déphasage est nul. Donc, le déphasage de Y5 par rapport à Y1 est de pi. Y6 étant le transmis de Y5, le déphasage de Y6 par rapport à Y5 est de pi. Et comme Y5 est déphasé par rapport à Y1 de pi, le déphasage vaut pi. Alors, ce que j'ai dit, enfin ce que je calcule ici, c'est le déphasage lié aux interfaces. Maintenant, une onde, quand elle se déplace, elle se déphase, forcément. C'est-à-dire, si j'ai une onde progressive ici, le déphasage entre ce point-là et ce point-là, où est-ce que j'ai mon dessin, vous le voyez. Hop. Le déphasage entre ce point-là et ce point-là, eh ben, il va dépendre de la distance entre ce point, je vais appeler ça L par exemple, et du vecteur d'onde, enfin du nombre d'ondes entre ces deux points. Donc le déphasage entre ce point-là et ce point-là, c'est K fois la distance entre ces deux points. Donc, si je reviens à mon dessin, quand mon onde se propage entre là et là, le déphasage entre ce point-là et ce point-là, bah c'est le nombre d'ondes K2 que multiplie cette longueur-là. Et cette longueur-là, elle vaut L. Donc, ici, en fait, quand je disais que j'avais 0, en fait, j'ai pas 0, j'ai K2L. Ici, après l'interface, j'ai pi plus K2L. Et ici, il va récupérer encore un déphasage de K2L. Donc j'ai pi plus K2L plus K2L. Donc, le déphasage total de Y6 par rapport à Y1 vaut pi plus 2 fois K2L. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Donc ça, c'est le déphasage de Y6. Ça, le pi là, c'est le déphasage de Y4. Et donc ce que je cherche, c'est la condition telle que ce déphasage entre Y6 et Y4, c'est-à-dire donc je prends la phase, donc c'est le déphasage de Y6 par rapport à Y1 et de Y4 par rapport à Y1. Et donc maintenant, ce que je cherche, c'est quel est le déphasage de Y6 par rapport à Y4. Donc je fais la différence des deux. Et ce que je veux, c'est que cette différence soit pi. Puisque ce que je veux, c'est qu'elle soit en opposition de phase. Et donc la condition qu'on a, ça c'est K2. Hein. K2, c'est 2 pi sur lambda 2. La condition qu'on a, c'est que la longueur, enfin l'épaisseur, pardon, de ce milieu pour cette adaptation d'impédance doit être égale à lambda sur 4. Alors après, on a une autre condition sur les coefficients de transmission et de réflectivité. Hein. Mais je pense que ça, c'est assez simple. Ce qu'on voudrait, c'est que Y4
en amplitude soit égal à y6. Puisqu'on voudrait qu'il y ait une annulation complète quand on fait la somme des deux. Donc on voudrait que y4 et y6 aient la même amplitude. Pour le déphasage, on est clair, on l'a pris en compte. Donc là, je parle de l'amplitude. Je rappelle aussi, faire attention, si l'amplitude est négative, une amplitude négative, ça veut dire un déphasage de pi, en fait. C'est-à-dire que normalement, il faut, pour que ce soit plus clair, il vaut mieux mettre toujours l'amplitude positive et introduire un déphasage de pi dans son équation des dans son équation de l'onde progressive. J'espère que c'est clair pour tout le monde, ça. Donc, Y2, c'est R, pardon, c'est T1,2, Y1. C'est ce qui est transmis. Y6, c'est R1,2, Y1. Y5, c'est R2, 3, Y2. Et Y6, c'est T2,1, Y5. C'est-à-dire que tout ça, c'est clair. Donc, Y2, c'est le transmis à l'interface 1,2 du Y1. Y6, c'est le réfléchi à l'interface 1,2 de Y1. Y5, c'est le réfléchi à l'interface 2,3 de Y2, et Y6 est transmis à l'interface 2,1 de Y5. Et donc ensuite, il suffit de remplacer dans les équations. Y2, ici je peux le remplacer par Y5 sur R2,3, et Y5 je peux le remplacer par Y6 sur T2,1, et faire le rapport entre Y6 et Y4. Et donc on trouve une relation entre les T, et entre les coefficients de transmission et les coefficients de réflexion. Voilà, je pense que la correction qui est sur le... et que je vous ai donné doit être assez claire. Peut-être même plus claire que ce que j'ai fait. On considère une onde sinusoïdale d'amplitude A égale 20 cm de longueur d'onde, lambda égale 30 cm, 35 cm et de fréquence F égale 12 Hz. Se propageant dans la direction des x positifs. Donc voilà, ça, pareil, c'est super important. Vous devez savoir comment écrire l'expression générale de ce genre d'onde. L'amplitude, c'est 20 cm. Cosinus, oméga t. On nous dit la direction des x positifs, donc c'est moins kx. Que vaut oméga, que vaut k. À partir de k, c'est 2 pi sur lambda. Donc on me donne lambda, donc je peux calculer k, et oméga, c'est 2π fois la fréquence. On me donne la fréquence, donc je peux calculer oméga. Donc je peux réécrire ça en calculant ces termes-là. Calculer le nombre d'ondes k à la période t, la pulsation oméga et la vitesse de déplacement. Donc encore une fois, hein, si on connaît... la longueur d'onde, la période, on peut calculer la vitesse de déplacement, on peut calculer aussi à partir de oméga et de k, puisqu'on vient calculer aussi oméga et k. C'est des manières de déterminer la célérité d'une onde. Je vais aller assez vite là-dessus. Une corde de violon de 1 mètre vibre dans sa troisième harmonique, mode 2, avec une hauteur maximale de 1 mm. La vitesse de propagation le long de la corde est de 200 mètres par seconde. Déterminer la fonction d'onde pour le mode 2 de vibration et la fréquence fondamentale. Donc là, j'ai une formule
qui me donne. Donc là, c'est une onde stationnaire. C'est pas la même formule, hein. C'est pas une onde progressive, c'est une onde stationnaire. Donc, il va faire attention à ça. Ça, c'est onde stationnaire. Donc, je rappelle, hein, une onde stationnaire, c'est une onde, justement, qui n'est pas progressive. C'est une onde où seule l'amplitude change en fonction du temps. Voilà. Donc, ça vibre comme ça, quoi. Donc, une corde au violon de 1 mètre vibre dans sa troisième harmonique, mode 2, avec une hauteur maximale de 1 mm. Donc là, on me donne l'amplitude, à N. La vitesse de propagation le long de la corde, on me donne la vitesse de propagation, donc je peux déterminer quelle est le... Comme je connais... Alors, faut d'abord que je détermine la longueur d'onde. Donc, on a ici quelque chose qui est fermé. Donc, on a une longueur et donc on a la longueur. C'est égal. Alors, que je me trompe pas. La longueur d'onde, c'est 2L sur N. Oups. Donc, ça c'est important de se rappeler aussi. Dans un circuit, dans un fermé, hein, on a lambda égale 2L sur N. Donc là, le mode 2, hein, c'est quand lambda 2, c'est L. Donc, c'est celle que j'ai notée ici, d'ailleurs. C'est le mode 2. Il dit troisième harmonique. Donc, troisième harmonique, c'est 2L sur 3. C'est pas celle que j'ai faite. Donc, lambda 3, c'est 2L sur 3. Et donc, si je connais lambda 3, je peux déterminer la 3. Et comme je connais la célérité, je peux déterminer la fréquence, la pulsation, au travers de cette formule-là. C'est clair pour tout le monde ? Donc, voilà, se rappeler de ça. Hein. Moi, je me rappelle jamais de la formule, donc dans ma tête, j'ai toujours un petit dessin. Si j'ai une corde, de longueur L, ce que je me rappelle, c'est que la fondamentale, c'est ça. Donc la fondamentale, c'est à une longueur d'onde qui est deux fois la longueur de la corde. Donc ce que je sais déjà dans ma tête, c'est que lambda 1, c'est 2L. Et je sais aussi que la seconde harmonique, c'est ça. Donc c'est deux fois plus petit. Donc lambda 2, c'est lambda 1. Pardon, c'est lambda 1 sur 2. Lambda 3, c'est lambda 1. Sur 3, et comme je connais lambda n, c'est lambda 1 sur n. Or, lambda 1 égale 2l, j'ai donc lambda n qui est égal à 2l sur n. Voilà comment je réfléchis un peu dans ma tête, quoi. Histoire de ne pas me garder cette formule où à chaque fois je me plante. Ah, est-ce que c'est lambda n est égal à l sur n, ou est-ce que c'est n sur 2l, enfin voilà. Autant essayer d'avoir les idées les plus claires possibles,
Et la meilleure manière de le faire, c'est avec un dessin et de remarquer ça, en fait, que la fondamentale, c'est celle-ci. Et donc, si je trace une période, bah, ce que je vois, c'est que ça fait deux ailes. Et si je sais ça, bah, je peux en déduire ça. Ok. Donc, j'ai cette formule. An sinus KNX cosinus oméga N. Et donc, An, on me le donne. KN, bah, je connais la longueur. On me dit quelle est l'harmonique. Je peux le déterminer. Lambda 3. Et donc, par conséquent, déterminer K3. Et il me reste à déterminer oméga N. Si je connais la célérité de l'onde et le vecteur d'onde, enfin le nombre d'ondes de cette onde, je peux déterminer la pulsation, parce que je sais que la célérité de mon onde, c'est la pulsation divisée par le nombre d'ondes. Et donc la pulsation 3, c'est la célérité de mon onde que multiplie K3. Donc du coup j'ai tout ce qu'il faut pour remplir ça. Quelle est la fréquence fondamentale? Bah, si on me dit que la troisième harmonique, c'est... si je calcule la fréquence fondamentale... Oui, bon, après... Je vous laisserai faire. Si on connaît, la pulsation... de oméga 3, on peut en déterminer F3, puisqu'on connaît la relation entre la pulsation et la fréquence. Et si je connais la fréquence F3, je peux déterminer F1, puisque F1 est 3 fois plus petit que F3, et donc je peux calculer la fondamentale de cette corde de violon. C'est bon pour tout le monde? Dernier exercice et puis on va s'arrêter là parce que je commence à fatiguer un petit peu. Donc là c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les interfaces. On a une corde qui est accrochée, on a une grosse corde. Qui est accrochée à une petite corde. Et on cherche les coefficients de réflexion. Alors, ça peut être en puissance ou en intensité. Enfin, en puissance ou en amplitude. Réflexion et transmission. Donc là, on a les formules, elles vous sont données là. Il suffit, entre guillemets, de déterminer les impédances des milieux. Donc Z1 et Z2, et on sait que pour une corde, si on a une tension F, l'impédance d'une corde, c'est la tension, c'est la racine carrée de la tension fois la masse linéique. Donc là on a les formules. Donc par exemple, première chose à faire, c'est calculer l'impédance Z1 et Z2. On nous donne la tension. Est-ce qu'on nous donne la tension? On ne nous donne pas la tension, mais c'est pas grave. Parce que ça s'annule dans l'équation. Donc je vais le faire juste un cas. Donc on a le coefficient de réflexion. Je prends le coefficient de réflexion en amplitude. Donc c'est pas le carré de ce truc-là. R, c'est Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2. On peut remplacer Z par racine carrée de T mu1 moins racine carrée de T mu2 sur racine carrée de T mu1 plus racine carrée de t mu2,
Et là, on peut mettre t, racine carrée de t en facteur, quoi. Et donc, ça nous donne le coefficient de réflexion qui vaut racine carrée de mu1 moins racine carrée de mu2 sur racine carrée de mu1 plus racine carrée de mu2. Voilà comment on peut calculer le coefficient de réflexion. Une onde transversale d'amplitude 3 cm. voilà, donc on connaît mu1, on connaît mu2, donc on peut calculer que vaut r, et ce qu'on calcule est la fraction réfléchie, okay, donc on peut calculer que vaut r. On sait aussi que c'est un coefficient en amplitude, hein, c'est-à-dire que si j'appelle l'amplitude incidente A1, l'amplitude transmise A2 et l'amplitude réfléchie B1, on sait que B1 c'est R A1. Maintenant, ce qu'on demande, c'est la puissance, la fraction de la puissance réfléchie. On sait que la puissance, elle est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc, ce qui est important, c'est B1 au carré est égal à R au carré sur A1 au carré. Et donc, la fraction de la puissance, ça dépend de R au carré. Et ce R au carré, c'est ce qu'on, a fait, ce qu'on appelle en général notre grand R, et c'est ce qu'on appelle le coefficient de réflexion. Réflexion en puissance et le carré de coefficient de réflexion en amplitude. Ici. Voilà, mais parce que ça vient du fait que l'énergie de mon onde, hein, là on peut le voir aussi, la puissance moyenne d'onde, c'est z a carré oméga carré sur 2. Sur une autre manière de le voir, c'est que la puissance de l'onde, elle est proportionnelle au carré de l'amplitude. Par exemple, on voit ça ici. Peut-être même... Non, voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait, de ce qu'il faut absolument savoir pour la semaine prochaine. Si vous savez faire ça, il n'y aura aucun souci pour la semaine prochaine. Avez-vous des questions ? Moi, j'en ai une. Objet. J'ai l'impression d'avoir vu ce nom déjà, mais c'était pas qu'en acoustique. Vous êtes bien en fougère, hein ? Je confonds avec quelqu'un d'autre. Je sais pas. Puis tout à l'heure, je me pose la question. Ça. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est tant mieux même. Comment on sait quand mettre sinus ou cosinus dans... on sait pas en fait. Ça dépend de... Ça dépend de l'onde, quoi. Déjà, ça dépend si on prend un cosinus ou un sinus. Là, ce que je suis en train de dessiner, c'est un sinus. Et donc là, ce que je suis en train de dessiner, c'est sinus oméga t. Sinus oméga t. Je pourrais très bien faire... dessiner cette onde, hein. Ça, c'est un cosinus.
le sinus oméga t, et en fait la relation qui existe entre les deux. Ah, c'est pour ça en fait. Ah, ça fait des mois que j'ai l'impression de parler avec la même personne. Objet. D'accord. Pourquoi il s'affiche pas, moi? Non, c'est bizarre. Il y a pour certaines personnes, ça s'affiche. Pour d'autres, ça marche. Ça s'affiche pas. D'accord. C'est marrant, ça. Un bug. Ouais, tous mes étudiants s'appellent objet en fait. Bref. Ouais. Donc, par exemple, la relation entre cosinus oméga t et sinus oméga t. Si je prends le cercle trigo. Je sais jamais. Cosinus. Oméga t. Moins pi sur 2. Si je prends. Tac. Et. Sinus. Sinus. Oméga t moins pi sur 2, c'est sinus de oméga t. Ouais. Donc là, vous pouvez remarquer que je ne connais pas mes formules de trigo, hein, c'est bien l'idée. Donc ce qu'on sait, hein, c'est que cosinus de oméga t moins pi sur 2, c'est égal à sinus oméga t. Donc le Le... Ça dépend comment on exprime les choses. C'est-à-dire là, on a un moins pi sur 2, mais parce que je l'ai exprimé avec un cosinus, mais si j'exprime avec un sinus, j'ai un 0. Et ce que j'observe, hein, parce que ça, c'est sinus oméga t, c'est en fait cosinus oméga t moins pi sur 2. Donc, pas ce monde. Répondre clairement. Donc cosinus, ça commence là. Ce que je remarque, c'est que cosinus oméga t et cosinus oméga t moins pi sur 2, donc qui est représenté par ce vert là. Cette fonction là, c'est-à-dire ça, c'est un déphasage de moins pi sur 2, déphasage de moins pi sur 2. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai translaté de donc ça c'est non, d'un quart de ma période. Là, je suis en quadrature de phase. Et donc je translate vers la droite quand, c'est ça votre question, quand je mets un moins. Si je prends par exemple celle-ci, si je si ça c'est cosinus oméga t plus pi sur 2. Est-ce que je translate quand c'est positif, je translate vers la gauche. Ouais. Quand c'est négatif, je translate vers la droite. Quand c'est positif, je translate vers la gauche. D'ailleurs, c'est pour ça que l'onde progressive, on dit que quand j'ai cosinus
oméga oméga t moins kx, ça veut dire que quand j'augmente x, je diminue le déphasage. Enfin, le déphasage est négatif. Et donc ça veut dire que quand je me translate vers la droite, bah, je me translate bien vers la droite, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. J'ai bien le bon déphasage, en fait. Le déphasage, quand je me translate vers la droite, quand x augmente, mon déphasage diminue. C'est ce que je vois ici. Quand t augmente, mon déphasage diminue. Inversement, si c'est positif, ça veut dire translation vers la gauche. C'est ce que j'observe ici. Quand j'ai oméga t plus pi sur 2, en fait, ma courbe, elle est translatée vers la gauche. Voilà. Mais c'était pas ça la question. Comment on sait si sinus, si mettre sinus ou cosinus? Bah, donc ça, c'est des choix. En fait, on peut passer de cosinus à sinus en déphasant, en déphasant de plus ou moins pi sur 2. Donc, c'est à vous de voir, en fait. Si vous travaillez que avec des cosinus et que d'un seul coup vous avez un sinus qui apparaît, c'est peut-être pas con de transformer ce sinus en cosinus. Pouvez-vous repréciser la valeur de K dans l'égalité de l'énergie potentielle? C'est le ressort. C'est la constante de Rader. Donc ça, c'est en newton par mètre. Donc c'est constante de Rader. Plus K est grand, plus mon ressort est raide. Et je vous rappelle que la fréquence, c'est racine carrée de K sur M. Plus mon ressort est raide, et plus la fréquence est grande. Ce qui est normal. Si vous avez un ressort qui est tout mou, la fréquence fondamentale de cette oscillation va être faible. Et par conséquent, son énergie potentielle aussi. Si vous avez un ressort qui est dur, plus il est dur et plus l'énergie potentielle que votre ressort acquiert quand vous tirez dessus est grande. Donc c'est normal que ce soit proportionnel à K. Quand on nous demande dans un exercice de trouver l'équation de l'onde, quand mettons cosinus et quand nous veut mettre sinus, c'est votre choix. Il n'y a pas de règle. Les deux sont bons. Vous pouvez même mettre ça. Personnellement, c'est ça que j'utiliserais. Parce que les nombres complexes, c'est bien plus simple à utiliser que des cosinus et des sinus. Je m'embêterai pas. Si on me demande de donner l'équation de l'onde, moi je mets ça, quoi, direct. Donc, c'est votre choix. Exponentielle, cosinus, sinus, il n'y a aucune conséquence sur la notation en particulier. Parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Mais voilà. Je vous conseille, hein, de. La notation exponentielle, la notation complexe est bien bien plus simple. Mais bon. On a plus ces questions à se poser avec les formules de Trigo, etc. Tout ça est oublié. Mais bon, j'en ai pas fait beaucoup de complexes cette année. Avec... D'autres questions ? Donc, il n'y en a pas d'autres, donc on va se... Ok, super. Bon, comme je vous dis, hein, si vous avez compris tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous n'allez pas être surpris de ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc ça devrait aller. Si jamais il y a d'autres soucis, vous n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le Discord.
Et voilà. Vous inquiétez pas, ce qui a été couvert aujourd'hui, c'est ce qu'il y aura. Bien sûr, je vous ai pas mis ce qu'il y avait dans l'examen, hein, bien évidemment, mais voilà, ce sera pas très très loin de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon bah bonne semaine, bonne révision, bon stage, parce que c'est ça qui est important, hein, aussi. Et puis on se voit la semaine prochaine, je crois que c'est mercredi la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons, la semaine d'après, je sais plus. C'est sur mon agenda de toute manière, donc je vais pas oublier. Donc voilà, à bientôt, au revoir.